Et bonjour à tous, c'est Nico le Chèque, Gérald de Rive sur The Witcher 2. Et bienvenue dans cette nouvelle. Dans ce nouvel épisode. Épisode 11, si je me trompe pas. Et on reprend exactement là où on s'est arrêté, sauf qu'il fait nuit. Et que on va aller voir Loredo dans la soirée. Et je voudrais aussi en savoir plus, voir s'il peut nous interroger sur le meurtre de la femme du troll. Et en même temps, bah, on va avancer, je pense, dans l'histoire. Quoi ? Principal. Le commandant souhaitait me voir. Déposez votre arme. Prenez-en soin. Elle a beaucoup de valeur. Elle a plus de valeur. Attends, que toi. Lou. Moi aussi, je dois parler au commandant. Voyez, Vernon. Vous entrez ou pas ? Écoute, l'ami, je suis officier et toi, Troufion. Quand je voudrais ? Viens, Roche. Est-ce qu'on dépose nos armes quand même ? Avec tous ces demeurés, Loredo ne protégerait pas le port contre un bûcheron bourré comme un coin. Alors contre Yorvet. Une baliste ! Cet enfoiré a une baliste ! Tu connais le potentiel de cette arme ? Si la verge est renforcée par des plaques de bronze et la corde avec du crin de cheval, le projectile peut aller jusqu'à 5000 pieds. Bah, c'est pas mal. Je sais, deux carreaux à la minute, mais jamais deux fois au même endroit, à cause du recul et tout ça. J'ai déjà entendu ça quelque part. Où est-ce que t'as appris tout ça ? J'ai connu quelqu'un qui s'y connaissait. Peu importe. Il faut la bousiller si on veut pouvoir échapper à Loredo. Ils sont tous bourrés à cette heure-ci. On va s'amuser. Du calme, Roche. J'ai pas envie d'affronter encore la garnison. Tant que cette arme fonctionnera, personne ne naviguera sur cette portion du pontard sans la permission de Loredo. Alors je m'en charge. Va boire un coup. Bon, on va juste demander la permission à Loredo. Ça m'a manqué, ces petites sauteries. Désarmer la bestie. Non, mais je vais voir Loredo. Vous connaissez celle-ci ? Et dire que ces soulards sont censés protéger Flotsam des Scoia'tael. Paysan en uniforme. Arrivane qui lui botte à le train. Alors, Margarita. Tu veux quoi, face de cul ? Je voudrais faire une surprise. Je voudrais faire une surprise à mon ami. Le type triste, près de la baliste. Un abruti a essayé de me faire lire des poèmes l'autre jour. Je te jure, des fois, ça m'a pas plu. Je pensais à quelque chose de plus traditionnel. Tu veux que je fasse quoi ? Votre spécialité. Faites-lui votre spécialité. Très bien. Mes tarifs sont fixes. Et éloignez-le de la baliste pendant que vous y êtes. Et puis quoi encore ? Une soirée bunga bunga, ça coûtera plus cher. Pardon ? Surcoût pour demande spéciale, c'est la règle. Je vais y réfléchir. Face de cul ? Ben, t'es pas vraiment un beau gosse ? Merci. T'inquiète pas, les femmes préfèrent les moches aux chochottes. T'es moche, mais t'en imposes ? Tu veux baiser ? Là, je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous retrouver plus tard en ville. C'est quoi votre nom ? Margarita. Un prêté pour un rendu ? Tu pourrais faire une chose pour moi ? J'écoute. Miron et Alphonse, deux pandards à la solde de Loredo. Casse-leur la gueule et je te ferai... J'ai déjà eu assez d'ennuis comme ça pendant l'exécution. T'inquiète pas, contente-toi de les humilier, peu importe comment. C'est comme si c'était fait. Miron et Alphonse... Ils méritent une leçon ? Pas maintenant. Donc si je trouve Miron et Alphonse... mais moi je veux trouver Loredo en fait. Dites donc. Ah, il y a Miron ici. Miron, je veux te parler. J'aime pas les monstres. Oh la vache. Moi, j'aime pas les bourrins. Tu veux quoi, le mutant ? Tentez ma chance au bras de fer. Je vais t'écraser, mutant. Sacré musculature. Garde ta salive pour plus tard. On y va ? Rien de mieux qu'un festin près du feu. À part un festin près du feu, avec de l'alcool à volonté. Ajoutez à ça un peu de bonne chair, et c'est... Alors, je suis concentré sur la barre. Normalement, c'est bon. Si on part comme ça, c'est bon. Yay ! Bien, ma jolie. Papa va te raconter une histoire. Je crache sur les mutants comme toi. Je sais, je sais. Mais moi, je suis plus fort. S'il a de l'argent, je t'en fais pas l'oreille. Alors, il y a aussi Alphonse. Il est où, Alphonse ? Alors, soldat... Se prostituer. Alphonse. Alphonse, tu parlez. Tu veux quoi, vieux con ? Un bras de fer. Je voulais mesurer ma force au bras de fer. Et j'y gagne quoi, moi ? Rien, puisque je vais t'étendre. Et si je gagne ? Tu auras battu un sorceleur.
Si ça te suffit pas de le gueuler partout... Le gars là, Geralt, c'est toi ? Le loup gris ? Blanc. D'accord, c'est parti. S'il te plaît, c'est pas gris. Gandalf est gris, moi je suis blanc. Ajoutez à ça un peu de bonne chair, et c'est le paradis. Et par chance... Voilà, là on doit être bon normalement, un peu trop, on va ralentir. Bim. Je tendrai pas l'oreille pour moins de 10 orins. Putain de merde! Le vieux m'a eu. Faut que je mange, que je m'endurcisse. Tu n'es pas assez musclé. Bon, on va parler à Margot, tant qu'à faire. Miron et Alphonse. Ils méritent une leçon? Sûr. Bon, je file. Je vais aller divertir le bonhomme. Ça m'a manqué, ces petites sauteries. Pour sûr. Vous connaissez... Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi je dois... Sautiller sur le chemin. Défonce-les. Arrive un qui lui botte le train. Besoin d'un peu de détente, mon grand. Défonce-les. Oh, allez. Les petits copains s'en privent pas, eux. Ils s'amusent. Défonce-les. Allez, on y va. Et je jure de trousser ta mère. Défonce-les. Super ta chanson, toi. Derrière le buisson, fait. D'accord, ok, dans on le buisson. Bon, bah, on va y aller, hein. Fouiller. Bon. Moi, je vais voir Loredo, quand même. Alors, on peut fouiller ici, autant qu'à faire, fouillons, hein. On va pas se priver. Alors, ça... Vernon, il est là. Là, on a un garde. On ne passe pas. Ouais, d'accord. Et ah, Vernon, il est là. Accompagné Vernon. Loredo est occupé avec cette sorcière, cette Sheila. Revenez. Le temps Carville. Allons attendre en bas dans la cour. Bon. On a fait l'aller-retour pour rien. Ah non, c'est vrai, j'ai la tentacule de... J'ai mis la tentacule sur l'épisode d'avant du Kéran. Ça me donne plus 50 en vitalité. Plus de points de vie. Ouais, oui. Parlez. Et ensuite... On attend que l'honorable dame en ait fini avec le vénérable cutéreux. Perte de temps. On dirait que tous les valets de Flotsam se sont réunis ici. Faisons le tour des lieux. Tu as remarqué l'arbalétrier derrière la maison? Je vais attirer son attention. Toi, va voir ce qu'il garde d'aussi près. Faufilez-vous derrière le bâtiment et écoutez la conversation. D'accord. Soldats, au rapport, immédiatement. Ah, Vernon Roche, il a quand même une autorité parce qu'il travaille pour le roi. D'accord. Bon, bah... Silence, soldats. Respectez vos supérieurs ou vous croupirez à jamais dans les latrines du roi. Oh, mes excuses, je savais pas. À Flotsam, on coupe les mains des voleurs. Ah, perdu ? Je cherchais les latrines. Heureusement que le commandant veut vous voir. Venez. Commandant, monsieur. Bon. Le sorceleur a été surpris dans le jardin. Amenez-le-moi et partez ! Oui, monsieur. Nous discutions affaires. Vous êtes là pour la même raison ? Le commandant m'a fait demander. Dans ce cas, je préfère vous laisser. Enfin... Bon, on n'en saura pas plus. Ils ne m'ont pas laissé entrer à cause de la magicienne. Vous l'avez vu ? Maquillée comme une putain, un jour de carnaval ! Se croit tout permis, ces magiciennes. J'ai eu vent des événements de Temeria. Il y a un mandat contre vous. Regrettable. Mais rien qui ne puisse contrarier nos affaires. Ici, la loi, c'est moi. Non, c'est Judge Red. La loi a besoin de savoir ce que le légendaire loup blanc vient faire dans ce cloaque. Alors, je cherche le tueur des rois, ce sont mes affaires. Bon, on va dire la vérité, on va jouer franc jeu. Je recherche le responsable de la mort de Foltest. Ici ? Les Scoia'tael ont joué un rôle là-dedans. C'est leur trace qui m'a conduit à Flotsam. Puis, par chance, vous avez trouvé Bernard Loredo. Si vous dites vrai, Yorvet a du sang bleu sur les mains. Je peux vous aider à le trouver. Ça serait gentil. Yorvet n'est pas ma cible. C'est le tueur de roi qui m'intéresse. Un grand gaillard. Difficile de se tromper. Est-ce lui qui... Oui, il a tué Foltest. Et maintenant, il rôde dans ses forêts.
Dans ce cas, nous l'aurons aussi. Flotsam vous remercie sincèrement d'avoir tué le Kéran. Disons que cela compense les crimes de vos amis. Ils sont libres. Vous êtes de notre côté ? Du côté de qui ? Celui des habitants de Flotsam, évidemment. Pas de pitié, je ne veux pas être impliqué. On va rester neutre. Conflit local ? Ça ne me concerne pas. Vous avez tué des elfes sur la berge, en dehors de Flotsam. Ils nous ont attaqués. Vous ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas, Loredo. À dire vrai, je ne suis pas humain. Vous êtes un elfe ? Un nain ? Non ! Alors arrêtez vos conneries ! Je me fous qu'on vous traite de monstre à cause de vos cheveux blancs et de vos yeux luisants. Vous êtes un humain, comme un autre. Je suis un mutant. C'est la guerre. Et vous, mon ami, vous ne pouvez y échapper. Et les elfes et les nains du comptoir, les forgerons, les colporteurs et les chasseurs, ils mangent et dorment parmi vous. De quel côté sont-ils ? Qu'est-ce que j'en sais ? Pour moi, sorceleur, lorsqu'on se bat pour survivre, il faut savoir qui sont ses amis. Moi, j'ai déjà trois les amis. Les non-humains de Flotsam. Enfin, deux plus une femme. Certes, ils mangent, baisent et chient avec nous, mais quand Yorveth sonnera de la corne de bataille, que feront-ils ? Ouais, traitez-les mieux et, ils vous seront loyaux. Étonnant qu'ils ne s'en soient pas encore pris à vous. Comment ça ? Les gardes traitent les non-humains comme de la merde. Je ne vois pas ce qui les retient ici. Je vais vous le dire, Geralt. C'est la fin qu'ils connaîtraient dans la forêt. Mais croyez-moi, ces actes d'insubordination seront punis. Les soldats ne sont que des hommes. Quand un ami meurt d'une flèche de Scoia'tael dans la gorge, il est difficile de voir d'un bon œil l'elfe qui vend des mouchoirs à votre femme. Bah oui, mais vous ça veut pas dire que l'elfe fait partie de la Scoia'tael. Vous devez protéger les badauds des monstres. Je les protège du danger qui rôde au milieu des arbres. Vous haïssez les non-humains. Je hais Yorveth, ce lâche qui s'en prend aux innocents et non aux soldats. Je hais ce sale bâtard qui tue femme et enfant en prétextant un combat pour la liberté. C'est un monstre, Geralt. C'est le mal dont je protège mes concitoyens. Et quiconque aide un monstre devient à son tour un monstre à mes yeux. Assez, j'ai compris. Je ne veux pas que vous le tuiez. Même vous n'avez aucune chance contre son armée. Bon, j'ai une idée, mais bien placé, je ne préfère pas l'exposer maintenant. Les écureuils ont un plan. Leurs éclaireurs approchent un peu plus chaque nuit. Je pense qu'ils comptent attaquer la barge amarrée au port. Que contient cette barge ? Qui, vous voulez dire ? Des bandits, des meurtriers, des violeurs qui iront à Drakenborg dès que... Leur chef infâme les aura rejoints. La cerise sur le gâteau, le trophée sur la tête de Loredo. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. Tant qu'Yorveth sera en liberté, humains, elfes et nains coexisteront en se méfiant au plus haut point les uns des autres. Je dois savoir ce que mijote ce rat aux oreilles pointues. Une information qu'il sera impossible d'obtenir. Ah, vous me sous-estimez, sorceleur. J'ai des préjugés, certes, mais ils ne m'aveuglent pas. Prenons votre ami Zoltan, par exemple. Il a contacté Yorveth. Il doit avoir une prime sur la tête... Non, je veux pas toucher à Zoltan, tu rigoles. Je suis sorceleur, pas bénévole. Aidez-nous à capturer le chef des Scoia'tael, et vous aurez une belle récompense, tout droit sortie des coffres du comptoir. Est-ce qu'on... Ouais, on va l'aider à... Bah... Yorveth, c'est celui qui mettra la... Il sait où c'est. Où... Il sait où est le gars qui a tué Foltest. Donc on va le choper quand même. Je verrai ce que je peux découvrir. Bien que vous attiriez les foudres où que vous alliez, je suis sûr que vous rétablirez la paix à Flotsam. Ne nous décevez pas, Geralt. Adieu! Est-ce que je peux fouiller quand même chez lui? Ouais, on fouille. Là, 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 je fouille. Faites pas attention à moi. Oh, des annales de l'histoire de Mahakam. Là, il y a un petit coffre.
Il faut une clé. Ah d'accord. Un réceptacle fermé à clé. Un réceptacle fermé à clé. Certains réceptacles sont fermés à clé. Il faut une clé pour les ouvrir. Je pense bien. Bon bah quittons tout ça. On peut monter. On entre que sur demande express du commandant. Partez. D'accord, d'accord. Je m'en vais. Je m'en vais, je sors. On ne passe pas. D'accord, d'accord, c'est bon. On peut pas aller à l'étage, on peut pas aller à la cave. On va quitter la résidence. Il n'y a plus Vernon ? Il est où Vernon ? On dit qu'un sorceleur a pas besoin de baiser, tu savais ça ? Oui, je suis à... Je suis stérile. Ah, il y a Vernon. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il m'a empêché d'entrer, le fumier. Ah, pas content. Pas content, Verne. Nous nous verrons plus tard. N'oublie pas tes armes en partant. Je vais pas les oublier, t'inquiète pas. Alors, elles sont dans l'inventaire ? Inventaire. Sont revenus dans l'inventaire. Ils pourraient nous équiper. Ah, faut peut-être que je parle au. Au gars. Ah, revoilà mes armes. Ah, cool. Alors. Tac. Goldir et Iron Dead. Et ça. Voilà, on a des. J'avais acheté des livres. Alors. Ok. Ok. Donc, je vous mettrai sur pause si vous voulez les lire. On a récupéré notre bordel. Bien, bien. Le commandant sait recevoir ? Ces hommes peuvent nous aider. Ou nous jeter à l'eau enchaînés. Il m'a dit qu'il détenait des scoyatelles sur une barge dans le port. T'a-t-il dit si Kiran, le bras droit d'Yorvet, faisait partie des prisonniers ? Non. Il en sait peut-être long sur le tueur de roi. Allons lui rendre visite. Hop là, un petit bug. Alors, on va suivre Triss. Moi, je voulais en savoir plus sur le meurtrier du troll. La bourse ou la vie ? Ou les deux ? Ah, de la femme du troll. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder sur internet où est-ce qu'il y a qui faut parler. Parce qu'on a parlé à tout le monde, mais je vois pas qui, à moins qu'il faut attendre d'autres connaissances. Alors, suivez Triss. Parlez à Triss. Du coup, hein. Parlez. Vous voulez quoi ? Parlez avec le prisonnier blessé. Personne n'entre. C'est Loredo qui m'envoie. Je sais que vous avez un accord, mais... Alors poussez-vous. Vous aurez du mal. Il est mourant. Bon, on va le soigner, c'est pas grave. C'est pas comme si je connais... Je connaissais 2-3 sorts de guérison. Ouais, une petite hirondelle, hein, puis il reprend... Ah ouais, non, s'il est blessé profondément... Arrêtez donc de gémir là-dessous. Du calme. Regardez, tuberculeux d'or. Ah, l'un de ses fessiers, debout, tuberculeux. Un jour, tu travailleras pas. Il a été torturé. Il a une dizaine de fractures. Aide-moi, veux-tu ? Que dois-je faire ? Le sort que je vais utiliser est douloureux. S'il remue, il risque la mort. Le signe d'Axi devrait le calmer. Parfait. Regardez, elle est toute mouillée. Alors, calmer l'FBC, utiliser... Bah, utiliser Axi. Viens, toi prêt, poupée. On arrive après notre garde. On a réussi. C'est inutile. Tu es mort, bâtard. Je ne suis pas un traître. Il délire. Vadgern, où suis-je ? Sur la barge pénitentiaire de Flotsam. La barge pénitentiaire ? Je suis foutu. Nous cherchons Yorvet. Ah, nous combattons Loredo comme vous. Bon. Comment vous ont-ils... Comment ont-ils mis la main sur le bras droit d'Yorvet ? Par trahison, pardi. Un sorceleur se cache parmi la squatelle. Il y a un sorceleur avec Yorvet. Comme tout douane, il s'est révélé être une vraie charogne. C'est-à-dire ? Il nous a trahis. Il avait une offre à me faire.
On s'est vu là où poussent les roses de souvenance. J'aurais dû m'en douter. Les roses de souvenance ? Oui. Les dernières de ce monde. Ils pensaient que j'allais trahir les miens pour diriger l'unité. Mais j'ai refusé. Et un combat s'est engagé. Je n'ai jamais rien vu de tel. Aucun humain n'est aussi rapide. Un massacre. J'ai été touché en premier, mais j'ai survécu. Je me serais vidé de mon sang si les hommes de Loredo n'avaient pas été là. Leto va tuer Yorvet, et tout sera perdu. Tous ces morts, tant de souffrances, tout ça pour rien. Leto est le tueur de roi ? Oui. Donc il s'appelle Leto, d'accord. Pourquoi en voudrait-il tuer Yorvet ? Pourquoi voudrait-il tuer Yorvet ? Il nous a utilisés depuis le début, tirant profit de notre haine. Mais il n'a plus besoin de Yorvet qui le gêne. J'ignore ce que cherche Leto. Que veut Yorvet ? Pourquoi Flotsam ? Va te faire foutre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis le seul à pouvoir prévenir Yorvet. Ah ouais, ça non, il faut... Tu vas mourir ! Allez, ça, on va faire un peu de... Attends, je vais enlever la pointeur de souris, là. Dégage. Alors, tu vas mourir. Tu n'as pas le choix. Parle ou je te tue. Au moins, je mourrai honorablement. Ah merde, dans ce cas, je demanderai à Yorvet. J'aimerais bien voir ça. On a ce qu'on voulait. Et maintenant ? Yorvet. Et si Yorvet est déjà au courant ? J'ai un dicton tout prêt pour lui, l'ennemi de mon ennemi. Ah, on va s'allier à lui, d'accord. Préviens-le, Gwynblade. Yorvet se bat parce que c'est ce qu'il fait de mieux. C'est un vrai Anseid. Il est libre. Parmi les derniers. Se battre a un sens maintenant plus que jamais. Il y a encore de l'espoir. Moi qui voulais mettre une patate à Yorvet. De l'espoir pourquoi ? Pour un changement. Pour de meilleurs lendemains. Je ne serai plus là. Ils vont me torturer à mort sur la barge. Et je rejoindrai les pommiers en fleurs. Mais tu dois prévenir Yorvet. Yennefer m'a dit que Ciri était partie pour de bon. Qu'elle vivait heureuse dans un autre monde. Avant de quitter celui-ci, elle nous légua l'île d'Avalak. Notre île. Le temps n'eut plus d'importance. Les spectres de la chasse sauvage sont réputés immortels. Ils parcourent les cieux, brandissant des épées semblables à des éclairs. Ils emmènent les mortels, étendant toujours plus leur cavalcade spectrale. Ils brûlèrent le verger et la maison. Ils piétinèrent notre île de leurs bottes. Et ils enlevèrent Yennefer. Je devais la récupérer. Revenir à la réalité. Retrouver le sentier des sorceleurs. Ah, donc apparemment il était avec Yennefer avant la perte Geralt, de sa mémoire. Tout va bien ? J'étais sur l'île d'Avalak, parmi les pommiers et la brume. Après le massacre de Rivia, Ciri m'y a emmené avec Yennefer. Les cavaliers spectraux l'ont prise. Je les ai poursuivis. Mais... Triss, c'est important. J'ai l'impression que tout me revient. Quand les sorceleurs m'ont trouvé à l'article de la mort il y a moins d'un an, près de Kaer Morhen, je fuyais à la chasse. Ils m'ont poursuivi dans les faubourgs, puis à Vizimar quand j'ai tué le grand maître. Ce n'était pas une coïncidence, c'est sûr. Kiran a parlé de roses de souvenance poussant non loin d'ici. Cédric a fait de même. Si c'est vrai... En ce moment, je devrais chercher Yorvet dans la forêt, pas des fleurs. Je pourrais te rendre la mémoire. Tu en es sûr ? Tout semble l'indiquer. Peu importe ce qui bloque tes souvenirs, ça s'affaiblit. Je pense pouvoir briser cette barrière avec un seul pétale de rose de souvenance. Ces fleurs sont extrêmement puissantes. Alors Yorvet peut attendre. Tu veux que je t'accompagne ? Bah oui. J'apprécierais ta compagnie. Très bien. Alors je viens. Cédric a parlé d'anciennes constructions elfiques dans la forêt, près de la cascade. Commençons par là. Je te suis. Arrêtez donc de gémir là-dessous. Du calme. Regardez, tuberculeux dehors. Debout, tuberculeux. Un jour, tu travailleras pas. Alors,
Trouver une rose de souverance aux côtés de Triss. Regardez, elle est toute mouillée. Bah, c'est ce qu'on va faire, on va suivre Triss, à moins qu'elle se TP. Je pense qu'elle va se faire un portail pour aller directement là-dedans. Ou alors, on va la suivre tout simplement. Donc, je disais, donc c'est bizarre n'empêche comment des fois les choses arrivent. Donc je pense que ce flashback qu'on a vu juste avant, où il se souvient, c'est parce que... le blessé, je sais plus son prénom, a parlé de pommier et que ça a rappelé les pommiers qu'il y avait sur l'île d'Avalak. Et que... et donc, on a appris que... avant qu'il perde la mémoire, donc il était... amoureux. Putain, qu'on va nous claquer la porte au nez. Il était avec Yennefer et que dans le 1, donc on n'était pas au courant. Ah, il y a un ennemi. C'est quoi ça? Ah, c'est un ennemi. On va tuer l'elfe Squatel puisqu'il est agressif avec nous. Tuons-le. Mais je veux le looter. Je peux le looter? Ok. Épée des montagnes bleues. Bah, ça fait une nouvelle épée. Si je veux changer. Qu'est-ce que t'en pèses? Oh, c'est cool. Hop là. Ah bah il faut jongler à... Sentinelle. Et derrière. Ah, je suis empoisonné. Niveau sup. Il y a plein d'Andriac. Faire gaffe quand même. Ah, il y en a qui nous attaquent derrière là. Ah, je sais que j'ai l'épée en acier. Mais il nous embête. Donc c'est bon, il n'y a plus de... Non, c'est bon, on peut ramasser. On peut fouiller. Allez, un peu de combat, ça fait du bien. Hop. Ah, cool, de la vitalité. Hop. C'est vrai que aussi pendant l'épisode... Oh, c'est un piège. Faut que j'aille donner quelques quêtes. Hop, hop. Bah alors, ramasse, fouille. Fouille. On peut plus fouiller. Non, c'est une écarte qui va nous embêter. Elle est où Triss? Elle est là-bas. Allez Triss, je te suis. C'est bon de te voir. Oui, moi aussi. Donc je disais que avant qu'on soit occupé par tous ces mobs, me dis pas qu'elle a bugué son pathfinding aussi, non? J'espère qu'elle a pas bugué. Hein. Désarmer le piège. Ou alors parce qu'il y a encore des ennemis par là. Parce que je vois des points rouges. Alors ça c'est quoi? Désarmer le piège. Ah non, t'es bloqué! Putain, je te débloque. Je te remets sur ton... Ah là-bas, c'est bon, on l'a débloqué. Non, t'es rebloqué? Tu veux que je te redébloque? Ouais, je te redébloque.
Trouver une rose de souverance aux côtés de Triss. C'est bon de te voir. Tu peux faire quelque chose, Triss? Ah bon, voilà. Bon. Donc je disais, donc avant dans Witcher 1, donc on voit Gérald tout ça. Donc avant ça, il était à Yennefer. Donc même si j'ai pas fait le 3, je connais l'histoire de Yennefer. C'est pas grave. Et donc il était avec, et ça je ne savais pas. Mais bon, dans le premier, on a choisi Triss. Oui, je ferai. Je resterai avec Triss, je pense. Sauf si vraiment elle nous fait une couille dans le 2. Je pense pas. Je fouille Triss, j'arrive. Hop, hop, hop. Hop. Et hop. Ok, on a tout fouillé, on est bon, on a de la ficelle. Ça, c'est bien d'avoir de la ficelle. Voilà. Je crois qu'on y est. La cascade, le menhir. Il faut prendre le chemin qui mène en hauteur. Bâtir des jardins au milieu d'une forêt. Ils aiment se compliquer la vie, les elfes. Arrête de geindre, on arrive. Non mais il a raison. Monter jusqu'aux ruines. Bah, montons jusqu'aux ruines. Allons-y, allons-y. Quelles légendes concernant cet endroit ? Les légendes sont presque toutes belles. Surtout les légendes elfiques. La réalité par contre laisse à désirer. On jugera bientôt par nous-mêmes. La rose doit se trouver par ici. Je vais chercher. Eldan et Simoril. Cédric a dit que Simoril surpassait même Francesca Findaber par sa beauté. Pourtant, Francesca est réputée pour être la plus belle femme du monde. Cédric boit trop. Il a vraiment des visions, tu sais. Il a un véritable don. Il pourrait apprendre à le contrôler s'il buvait moins. Cédric boit pour échapper à ses visions. Et en cela, je le comprends parfaitement bien. Alors, je vais sauvegarder ici, on sait jamais. Ça alors. Et on a une jolie statue. Ce sont les amants. Regarde, Gérald. C'est magnifique. Mm-hmm. Je ne comprends pas. Comment les elfes ont-ils pu devenir aussi cruels? Celui avec la cicatrice renfermait tant de haine. Ce genre d'endroit nous apprend combien ils ont perdu. Les elfes avaient des cités entières. Ils folâtraient dans les forêts. Ils ne s'y cachaient pas. Les humains ont tout détruit. Yorveth et les siens se vengent, mais ils ne sont pas tous comme ça. Kiran a déclaré qu'il y avait plus en jeu. Il a ses idéaux, une certaine vision du monde. Mais tu crois que les humains y auraient leur place? Nous sommes similaires, pratiquement les mêmes. Non, Triss. On a appris les uns des autres au fil du temps, mais on est fondamentalement différents. Pourquoi je trouve cela affreusement triste? Tout comme ce jardin, magnifique mais triste. Ah, un petit peu de l'or elf, ça fait plaisir, on en sait un peu plus. On va cueillir la rose de souvenance. La rose de souvenance de Simoril. La légende dit qu'elle fane si on ne lui donne pas de sang ou si on la vend. Mais si on la donne à quelqu'un qu'on aime, elle vivra éternellement. Tiens, on s'en fout. Non, tiens. C'est pour toi. Oh, Gérald. Garde-la. S'il y a une once de vérité dans cette légende, elle ne fanera pas, même si on prend un pétale ou deux. Merci. Voilà la statue, la boule. Faites pas attention à nous. Imagine l'argent qu'on va se faire. On pourra passer un mois au bordel. Et même plus. D'où elles sortent tous blé les gonzesses? Y a que la fraude pour pouvoir s'offrir une baraque pareille. D'ailleurs, ça fait quoi exactement un intendant? Ça va être foutrement dur à emporter. J'ai une idée. Et si on sciait les jambes, les têtes, et qu'on la déplaçait par morceaux? Scie ta propre tête, bouffon! Boucle-la, morue! Tuez-les! Ouais, on parle pas comme ça.
C'est une super statue. C'est une belle statue. Et tu pourras me voir avec ta pelle. Ton Y pour parer. Hadoken ? Ah, pas Hadoken. Ah. Attention ! Oh, vraiment, j'ai cru. Bon, bah, pas de loot sur les bandits. Fais voir, c'est quoi, arrête de teaser. Oh, mais il y a plein de roses. Des choses vraiment incroyables avant que les navires humains n'accostent sur le pontard. Les elfes possèdent cette sensibilité que les humains n'auront sûrement jamais. Ça dit un petit plongeon. On est coincé. Bah, c'est bien si on est cassé. Si on est coincé, c'est bien. Bon, on va s'arrêter là. Et on va looter ça. Alors, chasse sauvage, oh, des livres, tout ça. On va arrêter là, on va aller parler à Triss la prochaine fois. On a fait un bon petit épisode, je pense, plus que l'épisode 10, puisque je tourne le 10 et le 11 en même temps. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.